en avant. Ah, Pup, j'ai quelque chose à vous demander. Il s'agit de Silver et de Lay. Ils ne sont pas au mieux en ce moment. Mais en fait, il vaudrait mieux qu'ils vous expliquent eux-mêmes ce qui ne va pas. Je compte sur vous pour leur venir en aide. Pouvez-vous aller les voir? Vous n'avez qu'à demander à commencer par Silver. Pardon? Lucien nous en va me parler? Qui lui a demandé de se mêler de ça? De toute façon, elle n'aura plus l'occasion de le faire à l'avenir. Je quitte la guilde. Je veux partir à la poursuite de Pawa Mujuk, la braconnière. Je refuse de la laisser s'enfuir encore une fois. Alors que même les vigiles sombres et les flèches divines n'arrivent pas à mettre la main dessus. Mais j'y pense. Vous ne connaissez pas l'origine de mon départ des flèches divines. Figurez-vous que j'ai traqué Pawa lorsque j'étais moi-même une flèche et que je l'ai laissé filer. J'ai prétendu vouloir venir en aide à ses compagnons blessés, mais c'était un odieux mensonge. En faisant confiance à une braconnière sans foi ni loi, j'ai failli à mon devoir de flèche divine, et j'ai fait honte à ma cité. Il fallait que j'en accepte les conséquences. Mais un vagabond comme vous ne comprend sans doute pas de tels sentiments. Je ne vais pas partir immédiatement, mais seulement lorsque j'aurai rassemblé un peu plus d'informations sur les circonstances et que les circonstances me sembleront propices. Ça ne devrait pas tarder. Mais puisque vous avez assez de temps à perdre pour écouter les gens vous raconter leur vie, allez plutôt à Poltron de Micotte, qui me sert de camarade de guilde. Sa tête d'enterrement ne fait rien de bon pour le moral des troupes. Enfin, peu importe ce qui lui arrive. Dis, Pup, tu te souviens de ta ville natale? Tu n'as jamais eu envie d'y retourner? Moi, je viens d'un petit bourg au milieu de la forêt. On y vivait heureux, même si on n'était pas riche. Mais le fléau a tout gâché. Tout a été détruit. J'ai dû me réfugier à Gridania pour survivre. Et commencer une autre vie. Dans une ville inconnue sans connaître personne alors que la cité elle-même était elle-même sinistrée. La seule chose sur laquelle je pouvais compter, c'était ma technique de tir à l'arc. C'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. Mais Pawa Mujuk, elle, n'a pas réussi à s'en sortir en restant dans le droit chemin. Silver a peut-être raison quand il dit que je ne sers à rien dans cette ville. Le moment est donc venu pour moi de prendre mon destin en main. Je vais quitter cette guilde. Merci d'avoir été mon camarade pendant quelques temps, Pup. J'aimerais te demander une dernière faveur. Je voudrais te dire où je vais, mais pas ici. Tu voudrais bien me retrouver seul dans la forêt du sud? Nous pourrons parler tranquille là-bas. Bah, ok. Direction la forêt du sud. Arrêtez, cet aventurier n'est pas notre ennemi. Ce voilà, merci. J'étais sûr que tu répondrais à mon invitation. Qui est ce type? C'est un aventurier de la guilde des archers. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait venir. Tu veux qu'il nous rejoigne? Non, je voulais simplement lui dire adieu. Pup, mon échec contre Pawa m'a fait comprendre. Ma place n'est pas dans cette ville. Les Gridaniens et moi n'arrivons jamais à nous comprendre. C'est dans la forêt que je peux briller et faire honneur au tir à l'arc de la tribu de la lune. L'archerie est ma seule patrie. Voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre Pawa et les siens. Je t'en prie, ne dis rien à Lucienne et Silver. Pas question. Pup. Moi qui espérais que tu accepterais sagement. Pour ton propre bien, mais qu'importe. Nous n'avons plus le choix. Débarrassez-vous, moi, de lui. Quoi? Tu as rompu ton lien avec la guilde. Quelle raison avons-nous d'épargner un aventurier sans importance? Non, Pepémon. Il suffit, les Alliopes. Les sentimentaux dans ton genre n'ont pas la place parmi nous.
Tu as perdu tes griffes de chasseresse, on dirait. Notre bande n'a que faire des chasseuses aux griffes élimées. Tu m'as déçu. Enfin, j'accepte tout de même de te laisser filer sans demander ton reste. On rentre à la base. Quant à toi, t'avises pas de nous suivre, compris? Pup, comment les aventuriers sous nos attaches trouvent-ils la motivation de se battre? Et pourquoi es-tu si fort? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois quand tu tends ton arc? Où puises-tu cette force? Dis-le-moi, montre-le-moi. J'ai besoin de comprendre. Je veux savoir d'où te vient ta force, toi qui es loin des tiens. Nous allons nous battre. Ah, je ne dépasse pas assez. Je me donne une dernière chance, et même si après t'avoir combattu, je ne trouve pas la réponse, alors je renoncerai au tir à l'arc pour toujours. Ouais, en crédit. Ah, bah GG. Plus que la deuxième moitié pour toi, si j'ai bien compris. Quand tu seras prêt, viens me voir au Bannock. Ok, et ça part sur une bataille. Pup, t'es prêt? Oui. Je veux que tu te donnes tout dans ce combat. Alors, surtout, ne retiens pas tes coups. Plus que 5 milliards. J'ai pas eu un seul tir droit. Hein. 20% de chance. Voilà, enfin. Ton gars, je commence à comprendre. Mission accomplie. Évidemment, j'ai perdu. Mais après tout, c'est normal. Tu en sais déjà plus que ce que je t'ai appris. Tout ce que Silver t'a enseigné, plus tes expériences de l'aventure. Alors que moi, je me contentais de perfectionner la technique de la tribu de la Lune. Je comprends maintenant. Il me reste encore beaucoup à apprendre. Voilà ce qui fait notre différence. J'étais tellement sûr que l'archerie des miens surpassait tout le reste, que j'ai même pas réalisé que je pouvais apprendre beaucoup plus encore de mes camarades de guilde. J'étais prisonnière de ma tradition, en somme. J'ai oublié l'importance du regard, de l'ouverture d'esprit pour un archer. Merci, Pup. Grâce à toi, j'ai compris que ma place est à la guilde, auprès de notre maître et de nos camarades, y compris Silver le Grincheux. Allez! Rentrons à la guilde maintenant. Hop, retour à Gridania. Archer, là. Ah, vous voilà, Pup. J'ai tout compris en voyant le visage de Lee. Inutile de m'en dire plus. Merci de l'avoir aidé à trouver en elle les réponses qu'elle cherchait.
Lorsqu'on s'en concentre sur un but précis et qu'on se donne à fond pour l'atteindre, on perd parfois de vue d'autres choses qui nous sont importantes. Le même principe s'applique au combat. Votre arc et votre regard vous serviront à vous soutenir vos compagnons un jour. Continuez d'avoir toujours l'esprit ouvert, le regard affûté, et poursuivez votre entraînement. Alors... Tac. Et on continue avec la mission de, avec la niveau 30. Droit comme une flèche. Ah, peuple, tu tombes bien. Aide-moi à empêcher Silver de faire une bêtise. C'est de la folie, Silver. Demandons au moins le soutien de l'ordre des deux vipères, je t'en conjure. Nous n'avons pas de temps à perdre, Pawa et sa bande vont bientôt déplacer leur camp. Et nous allons perdre leur piste si nous venons à attendre, si nous devons attendre des renforts. Je vais partir immédiatement pour prendre les complices de Pawa par surprise et les forcer à me dire où elles se cachent. Je suis sûr que j'arriverai à les surprendre si j'y vais seul. Silver, je comprends ce que tu veux faire. Mais on ne peut pas te laisser y aller seul. Emmène au moins un peu et moi. Bah, vous ne comprenez rien du tout. Vous n'avez aucune idée de ce qui me motive. Voyons, Silver. Je sais ce que c'est, se battre pour sa patrie, ses compagnons. Je l'ai appris grâce à cette guilde. C'est elle qui m'a ouvert les yeux. Et maintenant, je vois à quel point il est important de soutenir ses camarades. Ses camarades. Tu crois que c'est ce que nous sommes, vraiment? Je te défends de me suivre. Je n'ai que faire de ton aide. Tu ne ferais que me gêner, de toute façon. Qu'il est bête, celui-là. T'as vu, Pup? Il parlait encore en portant sa main à son menton. Je croyais vraiment qu'on n'allait pas le remarquer. Ça veut dire qu'il ment, à mon avis. Il ment parce qu'il ne veut pas nous faire courir de risques en nous mêlant à tout ça. Mais pas question de rester là. On va le suivre dans la forêt du sud et veiller sur lui. Ok. Et ben, let's go. Et on repart sur une autre bataille. Je peux renoncer. Pas maintenant. Silver. Oui, Pup. Que faites-vous ici? Je vous avais défendu de me suivre. Tu croyais vraiment pouvoir cacher l'expression de ton visage à mon regard d'archer? On sait que tu n'as pas été sincère quand tu nous as interdit de venir. Pup, je vais leur donner une leçon. Occupez-vous de disperser nos poursuivants.
Bon, ça va, c'était rapide. Hein. Je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas mes camarades et je n'ai pas besoin de personne. Faudrait peut-être que tu arrêtes de regarder uniquement ton nombril. Tu n'as même pas remarqué que tu mettais toujours ta main devant ta bouche quand tu mens. Il faut toujours bien observer sa cible, analyser son comportement pour adapter sa stratégie. Vous me l'avez appris, Lucienne, Pup et toi, Silver. C'est vrai, on ne connaît pas bien Gridania, Pup et moi. Mais toi qui jures que par ta cité, tu n'as qu'à nous apprendre des choses sur elle. Ça peut effacer ma dette envers vous, alors c'est d'accord. D'accord. La bande de Pawa a déjà commencé à quitter les lieux, mais nous avons encore une chance de leur mettre la main au collet. Ce sifflet en os est identique à ceux qu'utilisent les braconniers pour communiquer entre eux. Il sera nos trapeaux pour faire sortir Pawa de sa cachette. Ah, c'est pour ça que tu es allé à Feuille Morte alors. Pup, je vous confie cet objet. Essayez donc d'utiliser ce sifflet au milieu de la source entourée de pierres à l'est d'Isemhard. Les pierres ont des propriétés acoustiques spéciales qui vont porter le son très loin. Les acolytes de Pawa entendront donc le signal. Et crainte, il ne m'arrivera rien ni à vous. Je vous jure sur mon honneur d'archer gridanien. Part sur une autre bataille directement. Coucou, pour te dire que RP sera encore tard. Salut Stimmy. Pas de problème, t'inquiète, je l'attends, je fais autre chose en attendant. Il a quitté le boulot au moins ou pas encore? Je savais bien que quelque chose ne tournait pas rond. Bah écoute, moi ça va bien, tu vois. On en est à 7h40 de live, pas mal. On a bien avancé sur ce que je voulais faire, donc c'est cool. Et toi? Ce sera là dans 25-30 minutes. Ok, pas de problème. Décidément, ils ne renonceront jamais. Tu n'aimes pas les hommes qui insistent, je présume. Ça va mieux? Bon, attends. Tant mieux. Et trompe-toi, j'aime les hommes passionnés. Rebonjour les chatons. Je vais vous faire un petit câlin que vous n'oublierez pas cette fois. Allez, c'est l'heure de jouer.
Mon chef va être content, je vais pouvoir reprendre mardi. Alors j'espère qu'il est plus content parce que tu vas bien quand même. Allez, mission accomplie. Mon médecin m'a prolongé jusqu'au 24 normalement. Je trouve que c'est beaucoup trop et mon chef aussi. Tu verrais le mail que j'ai reçu. Ah ben attendez, si un médecin te dit t'es arrêté jusqu'au 24, tu restes arrêté jusqu'au 24, hein, tant pis. C'est un arrêt, c'est un médecin. Il est médecin ton chef. Tu regardes ailleurs. Moi qui pensais que tu n'avais Dieu que pour moi. Ah, l'heure des golds. Hop. Non. Je ne peux pas. Pas comme ça. Allez, on retourne à la guilde. Non mais bon, ouais. Moi je reste en arrêt jusqu'au 24 en tout cas. Ouais. Allez, on va rapporter les événements à Luciane. Ah, vous voilà de retour, Pep. Merci. Vous avez réussi à arrêter Pawa Mujuk et aider vos camarades en plus. Beau travail. Tout cela, vous le devez à votre regard d'archer. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Vous avez à présent maîtrisé l'enseignement de cette guilde. Et en cet honneur, je vais vous apprendre une toute dernière technique de notre guilde. Elle se nomme Morsure du Vent. Et permet d'allier la force des tempêtes à la puissance dévastatrice d'une flèche acérée. Je suis sûr qu'elle vous sera utile. Bien entendu, vous allez poursuivre votre progression sur la voie de l'archerie. Cette voie n'aura pas de fin. Car tant que vous vous armerez de votre arc et vos flèches pour combattre, vous ne cesserez jamais d'apprendre. Vous vous égarerez sans doute par moments. Mais je suis sûr que vous arriverez toujours à percevoir le bon chemin. Faites confiance à la justesse de votre regard. Et ne relâchez pas vos efforts. Je suis convaincu que vous trouverez toujours la réponse adaptée si vous vous remémorez tout ce que vous avez appris parmi nous. Bonne continuation, peuple. Alors, on va gagner un nouvel arc. La morsure du vent. Donc, effectue une attaque physique de vent sur la cible. Durée 45 secondes. Effet périodique de vent. D'accord, ok. Donc, il y a un période dessus.
Alors, ce que je voulais au début, mais je me suis tiré une balle dans le pied. Mon collègue étant en vacances, je suis seul à pouvoir intervenir sur les tablettes des patients. J'ai indiqué qu'il était le 5 juillet et personne s'en occupe. Ah. Ok, donc voilà, on a fini du coup la série d'archers.